Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Larkotag et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la démo de Grand Blue Fantasy Relink. Alors, évidemment, nous sommes dans live, on va regarder ce que ça donne de suite. Est-ce que... Attendez, attendez, il y a un problème. C'est bon, est-ce qu'on entend bien le son? Est-ce que tout est bon? Désolé, hein, c'est toujours le même... Même schmilblick, chaque fois, j'ai pas de connexion. Du coup, je peux pas voir. Ah, si, c'est parce que j'ai juste pas appuyé sur. Lecture, n'embrasse pas. Attendez. Ah, voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout marche bien, parfait. Allez, je suis très content. Eh ben, écoutez, la démo est sortie aujourd'hui, au moment où je tourne. Je vais essayer de vous sortir la vidéo aussi aujourd'hui, hein. Ça devrait bien se passer. Sur Grand Blue Fantasy Relink, qui est du coup un. JRPG avec un gros mélange, on va dire, de Tales of, la série des Tales of, dernière en date Tales of Arise, un petit peu de Genshin Impact si on veut, et voilà. Donc, on va tester tout ça. Moi, j'ai très hâte. Il y a des conditions. Accepter. 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 Ah, ça va. Option, langue, graphisme, on s'en fout, j'ai tout laissé. Bing. Commencez. Ah, didacticiel. Histoire, quête. Quoi? Des récompenses pour le jeu Grand Blue Fantasy? Ok, go. Histoire. Qu'est-ce que c'est? Idéal pour découvrir l'histoire et anéantir les adversaires martelant carré. Bof. Mode assistance totale. Mais je veux pas d'assistance. Histoire. Comment ça la partie? Oui. Oui, on veut tester. J'ai vraiment hâte que ce jeu sorte. J'avais vu une annonce il y a quelques temps de la sortie de ce jeu, mais j'ai pas porté grand attention. Et puis là, avec l'annonce de la sortie de ce jeu, bah j'ai très hâte. J'ai très très hâte. On va voir ce que ça donne. Bon, on est parti pour la démo. Mode histoire. On n'a fait aucun didacticiel sur les techniques, rien du tout. Je pense que ça devrait bien se passer a priori. Alors, nous sommes dans un aéronef en plein vol. Allez, voix japonaise. Oh, quelle technique! Il faut être pro pour stabiliser le vaisseau environ à tribord. Bon, après, je vous laisse lire, hein. Je vais pas tout lire à voix haute. On reste sur une démo. On va pas rester ensemble longtemps, on va se faire une vidéo d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça sert à rien de rester 2 heures. Je ne sais pas du tout combien de temps dure cette démo. Je ne me suis pas spoilé à part le trailer du jeu, hein. Trailer de lancement du jeu, qui sort encore une fois le 1er février. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Trop mignon le petit dragon, je veux le même un peluche à ma maison, là comme ça, là, à la place de ce chat-là, de ce chat. Non, je rigole, jamais je remplacerai ce chaton. Alors, ah oui, alors j'ai cru entendre aussi dans des vidéos que il y avait 11 personnages jouables et qu'on pouvait choisir un personnage jouable. Je vois ces vents bizarres. Hein, on stressait les gobelins qui, à leur tour, ont attaqué les habitants. On a réussi à s'enfuir. Ne vous inquiétez pas, je vais les défoncer. Merci le S. Ok, allez. Oh non, c'est pas parti. Je peux pas aller les gens sans protection. Que dois-je faire? Est-ce que je dois baiser du gobelin? Oh oui. Gran. Allez, ça s'appelle Grand. Rakam. Nous allons nous occuper des gobelins. Vraiment? Oui, bah oui, allez, on veut taper du gobelin. Et les autres, allez sauver les habitants. On a compris. Je vous rejoindrai quand tous les habitants, machin. Oui, bien sûr, allez, on emprunte main forte. Ah, qu'est-ce que tu me donnes? Ok, c'est un téléphone, genre. Une valise téléphone. C'est pas non plus une fleur. Ok. Émetteur-récepteur pour ainsi communiquer sur de longues distances. Allez, je ne l'ai pas payé. Il y a même un signal lumineux. Waouh! On joue à la bricole. Non, non, c'est Roland. Tellement premier degré. Oui, allez, c'est un téléphone. Ok, let's go! Oh, c'est joli! C'est joli, c'est fluide. La caméra, par contre, elle est un peu longue, un peu lente. Genre, j'aimerais bien que ça fasse tac 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 tac. Il y a un truc bleu, c'est de l'air bleu. Il y a un truc. Vérifier. Qu'est-ce que c'est? New, galet. Oh, par contre, la caméra, il faut vraiment faire quelque chose. Système, option du jeu.
Ah, sensibilité de la caméra. Ah non, raté. À fond. Ok. Ah. Ah, ça reste toujours assez rigide, hein, mais au moins là déjà, c'est mieux. Parce que là, sans déconner. Donc, bouton de saut, vérifier, galer encore. Mouibing. Ah ouais, mais par contre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est une terre sacrée. Un cristal. Ok, c'est un cristal de save, c'est ça? Une terre sacrée, nanana. Ok. Ah, ce jeune homme a entrepris un voyage juste. Jusqu'à Estalulcea. Il s'est adapté à toutes les situations, attaque, défense, soin ou soutien captif, donc n'est tort de sa portée. Ok, il peut tout faire, Gran. Capitaine peut réaliser divers combos, carré, triangle. Voilà. Son attaque triangle peut être chargée pour infliger. Ok. Des combos augmentent le niveau d'art de l'adepte du capitaine. Augmenter le niveau d'art de l'adepte rend les compétences plus puissantes, faites en sorte de maîtriser les combos. Ok. Il n'y avait pas un truc qui brillait là? Non, bon, allez, cristal. Terre sacrée. Ah, ça nous a tous soignés. Ah ouais, mais du coup j'ai la caméra qui bloque le truc. Oh, R2 c'est esquive. Et là je fais des attaques. Et là je fais des attaques. Ok. Et le rond il me sert à rien. Bon. Et là je peux attaquer ces trucs. Là je suppose. Oui c'est destructible. Oh un coffre. Un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des trucs. Qui pour l'instant je ne sais pas à quoi ça me servira. Ok. Le sprint. C'est parti, on tape du goobling. Non, ils sont où les goobling? Archipel d'An... Oh là, Anstedo Colline. Bonjour. Je peux vraiment tomber ou c'est... Oh. Les goobling. Allez. Oiseau, Goulin. Ouch, ouch, ouch. Hop, esquive, bleu. On peut lock. Oui, on peut lock. Ah, par contre, le... Attaque liée. Ok, oh, stylé. Stylé, 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 stylé. Par contre... Non, c'est bon, le lock qui est... Le lock reste lock. Il y a des gens qui disaient qu'on pouvait lock que avec... En restant appuyé sur la gâchette, mais mine de rien, non. Ah, ils ont beaucoup de vie, ces bâtards. Allez. Et là, je vais essayer de laisser charger. Ok, ça a chargé l'attaque. Très bien. Oh, ok. Elle est où ma vie? En haut, en haut, bon, hein, tout va bien. Juste avant, j'étais en train de jouer à Spider-Man. Du coup, j'ai envie d'appuyer sur triangle, vous savez, pour me TP, entre guillemets, sur l'ennemi. C'est l'enfer. Oh. J'ai pas les boutons en main. Ah. Ok, c'est bon. Ok, les combats sont vifs. C'est cool, ça fait plaisir. Par contre, en bas, il y a un truc d'objet. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir. Faut libérer les prisonniers. Ah ouais. Allez. Ouch. Sauver. Eh oui, on va te sauver. Tout le monde à bord. On nous a sauvés. Oui. Occupe-toi des blessés. Ok, hop. Un coup de soignage. Pif, paf, pouf, pouf, pif, pouf. Merci, on dirait qu'ils sont tous sur les sauf. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous? Merci, mais il y a d'autres campements qui sont attaqués, donc encore double double. Ok. Oiseau! Art 4. Ah oui, verrouillage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une garde aussi. Ah, il y a quand même un bouton de sprint. Même bouton que sur Call of. Y a pas des trucs cachés là-bas derrière? Bon après là c'est de la démo hein, je vais pas jouer au jeu dans le sens où... Je vais pas explorer complètement non plus tout le truc hein. Ah si y a un truc. Pas vu, heureusement j'ai regardé. Ah ouais, encore une galée. Je ne sais pas à quoi ça va me servir les gars, allez. Par contre du coup je suis presque trop sensible à la caméra. Un coffre! Plein de trucs, des fragments de bravoure et des roupies. Du coup... Ah putain, autocollant, machin. Groupe. Vaut assez avec moi. Assez si besoin. Ok. Ah mais c'est vraiment salué, c'est pour du multi ça en fait. Ok, c'est le bouton multi. Du coup, compétences. Gran, par exemple, vous pouvez assigner des compétences aux touches. Ah oui, et rond aussi.
Ce serait bien parce que rond, j'ai rien sur rond. Ah si! R1 et rond, je soigne. Brise armure, incroyable! Ouais, bon, j'ai que 3 compétences, donc là, je peux rien mettre d'autre. Ok. Et les autres, ils ont que guérison, déluge de balles. Ok. Incroyable. Incroyable. Ça fait plaisir. Du coup, c'est R1 plus rond. Si je veux soigner, je fais ça. Oh, mais c'est incroyable, j'ai découvert des choses. Ah, mais oui, mais il doit, c'est des boutons qui sont camouflés. Ça, c'est la garde. Ok. Bon, on y va, petit dragon de l'amour. De l'amour! Allez, et là, si je fais ça. Ouh! Ah oui, ça m'a chargé mes arts. Bon, pour l'instant, c'est la démo, du coup. Rien de très complicado. Et j'augmente mon niveau d'art en faisant comme ça. Et je peux plus attaquer. Ok. Casser, mais y a rien. Et en fait, c'est ça, on monte le niveau d'art pour faire des techniques plus puissantes derrière. Et là, on a dit, c'était quoi? Brise armure. Oh, là, je peux faire régner les... Ah oui, là, j'ai envoyé une grosse patate, voir. Oh. Et après, je peux pas... Ah oui, après, je peux plus utiliser les techniques, du coup. Tant que j'ai pas monté mon niveau d'art. Ils sont les autres. Il n'y en a plus d'autres. Perry, allons là-haut. Il y a certainement des trucs, si. La caméra, en fait, ça m'énerve que je fasse ça et... Vous voyez ce que je veux dire? Je lâche et ça fait... Elle continue de bouger un peu. Moi, je veux une tac, 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 tac. Là, je peux pas. Ça m'embête. Oh, un mage. Ok, là-bas, il y a encore du monde, là. Ouh, j'ai pris patate par l'autre, là-haut. On esquive. R3, je sais pas ce que c'est, Céleste. J'ai appuyé parce que... Oh... Viens là. Ouh. Ah, il a un... Ah, brise armure, en fait. Ça a pas marché. Ah si, ça a marché. Et là... Ouh. C'est assez stylé en vrai, hein. Et là, je peux attaquer à distance comme ça. Ouais, mais il remonte. Oh, toi, viens là. Ouch. Et là, je peux faire charger comme ça. Okay. Arc céleste. Ah, là, j'ai réussi. C'est quand même stylé. Oh là là. Oh là là, ils s'y mettent tous sur lui, mais il est mort de chez mort là en fait. Ils s'y mettent tous, un par un. Ok, donc ça c'est vraiment un truc à étudier sur un boss en gros parce que. Bah c'était incroyable! Oh j'aime trop. C'est bon, fin du combat, on peut libérer les gens. Allez, c'est bon! Oh, c'est vraiment ouvert. Le gameplay est très 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 stylé, hein. Enfin, c'est très grisant. Ça part de partout. Tu fais des grosses techniques. C'est ultra cool. Ah oui, c'est ce qu'on peut. Oui, on passe. Hein. C'est bon. Ils sont tous contents. Et là, du coup, il y a certainement des trucs à vérifier là-dedans, non? Bon, on va pas se mettre à tout vérifier, hein. Encore une fois. Ah, un petit point bleu. Le mec. On vérifie pas tout, mais hop, ok. Ok, c'est bon dit. Ah non, là, y'a rien. Hop, ok, j'ai déjà fait le tour du village. Eux, ils avaient 3 maisons et ils habitaient en haut de la falaise. Il faut avoir confiance. Libérer le campement au bord de l'eau. Attends, y'a un petit point bleu. Ah, y'a une musique de combat, là. Ah oui. Ouh. Attends. Lien. Le lien se déclenche lorsque le niveau de lien de l'équipe est à 100% et que tous les membres participent à une attaque liée.
Pendant un lien, l'ennemi est plus lent et vous bénéficiez de plusieurs bonus, dont une amélioration de l'attaque, la récupération des PV, la réduction du temps de charge. Ah oui, ok, là je vois tout l'écran est en bleu, genre. Ah oui, c'est tout en ralenti, incroyable. Mais ça y est, ils sont tous morts là maintenant. Donc ça servait à rien. Et leur barre de lien, c'est la petite barre rouge qui est en dessous de. Bah, du personnage, je suppose. Il y a un truc ici ou pas du tout? Il y a juste. En fait, ah si, il y a un coffre. Oui, je récupère tout, hein. Ouais, il n'y a pas de. Il faut que je marche dans les loots. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a de l'eau, donc là, il doit y avoir un truc au bord de l'eau, tout à fait. Allez. Premier, let's go! Ouch! Ouch! Allez, ouch, Art 2, Art 3, ouch! Ouch! Par contre, pour savoir quand est-ce qu'ils attaquent, c'est un peu compliqué, ça va, on lock. C'est vrai qu'il y a une garde en fait, je peux juste me protéger. Ok, c'était très 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 rapide. C'était extrêmement rapide. Par contre, le gameplay, je dirais pas qu'il est pas lisible, mais il y a, okay, y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Oh, c'est un boss. C'est bon, j'ai fait garde. Ouch. Brise armure. Je vais soigner tout le monde. Hop, voilà. Je me suis protégé. C'est bon. Okay. Bon, il est pas si fort que ça. Voilà. Pion. C'est bon. Il est mort. Parfait. Oh. Après, il y a des montées de niveau. Les montées de niveau, comment? Attendez. Objet. Bon, ça sert à rien. Fragment de vent, un souffle. Ok, ça, c'est vraiment pour utiliser en plus des. On va tester juste après. Système, option de jeu, bon ça on s'en fout, compétences, ah équipement, n'oubliez pas d'utiliser vos seaux et vos armes. Oui, épée du voyageur, donc là on a vraiment que les premiers trucs, mais on peut équiper des armes, ok. Est-ce qu'on pourrait équiper des tenues? That was a really good question, you know. Et compétences, de toute façon, mais il n'y a pas de niveau? Si, là niveau 3, mon perso il est niveau 3, et c'est quand qu'ils vont de niveau? Je sais pas, est-ce que c'est vraiment la barre rouge en dessous? Guidage Virne L2. Ah oui, c'est juste pour me dire où est-ce qu'il faut aller pour. Ok, j'ai capté. Ils ont tous la même tête par contre, les PNJ qu'on sauve. Hein. C'est dommage un peu. On passe. Ok. Il faut aller où maintenant? Ah, il y a du monde. Ah, mais c'est là où j'étais tout à l'heure en plus. Par là-bas, je peux y aller. Hein. Non, c'est là-bas. Ok, j'ai capté. Allez, tout le monde, on fonce. Et on va voir si la barre rouge, c'est ça qui change de niveau ou pas. Là, je vais essayer ça. Là. Je fais ça. Ça m'a redonné des points. Si je reste appuyé sur ça, oui, ça m'a redonné de la vie. Ok, bon, c'est déjà mieux. Pao. Bon, après, on martèle beaucoup carré. Hein. J'ai envie de dire, ma carré est criant pour faire des combos. Et B. Ah. Ok, il est noir. Et là, je fais. Bon, ça n'enlève pas beaucoup de vie, hein, mais bon, toujours ça de prix. Et là, on fait Art Céleste. Il n'y a personne. Pas d'Art Céleste. Bing. Ah, encore un pas gentil. Ah, mais il y en a trois de pas gentils. Ok, donc là, effectivement, ça va être un chouï plus compliqué. Allez, c'est parti! Hop, on roule.
Hop, 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 oula, on lock quand même l'ennemi. Brise armure. Non, il y a... Ah oui, il y a un temps de... Je vois pas parce que j'ai mis la caméra au mauvais endroit. Mais il y a un... Il y a un cooldown, quoi. Arc céleste. Et là, du coup, tout le monde va s'y mettre, c'est ça. Voilà, tout le monde s'y met. J'aurais pu attaquer un mec chacun. Ah non, mais c'est bon, en fait, ils s'y mettent, mais moi, je peux continuer de... J'en marque 4, mais oui, le cooldown n'est pas fini. Non, j'ai une attaque liée juste derrière. Ah oui, là on y est. Ah, en plus, on a. Ouais, hop, pouni. Ah, on les a niqués. La barre rouge. Toujours niveau 3. Donc la barre rouge, c'est bien le truc qui permet de faire la synchro liée que tout est retour ralenti. Mais il n'y a pas de montée de niveau. Ouais, je suis peut-être juste un sgeg hein, de fou. Hein. Mais c'est où qu'on voit. Si je n'ai équipement, grane. Aptitude, augmente les PV de base. Info aptitude. Ouais. Ah si, il a R1. Ça, c'est chaque personnage. Et dans compétences non plus, c'est juste sur grane. Non, c'est juste l'attribution des compétences, mais de toute façon, il n'y a rien d'autre. Et je sais pas où je vois. L'XP pour les montées de niveau. 400, ça c'est ma vie. 351, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est! Bon allez. Conversation. Qui êtes-vous? Nous sommes des navigateurs et on est ici pour vous sauver. Attends, non, je vais quand même laisser. Tout va bien se passer maintenant. C'était Roland, il me connaissait. Ah mais c'est trop lent. C'est trop lent, j'aimerais bien juste passer les conversations un peu plus vite. On va tous dans le vaisseau de Roland. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des gobelins dans la forteresse. Gran. Bah oui, on y va. Bien sûr qu'on y va. Ah, ça m'a gavé. Les conversations sont beaucoup trop lentes. Je peux pas faire croix pour aller pour passer. Et ça, je n'aime pas beaucoup. Parce que moi, je lis vite. Et juste là, le fait de pas pouvoir aller vite, ça m'énerve. Ah, il y a Cristao. Forteresse des gobelins. Ah, c'est quoi ça, un vendeur? Une babiole sympa dans les moments difficiles. Eh bah vas-y hein. Alors, les services du bazar de Cielo. Non disponibles dans la démo. Ok, bon bah très bien. Mais en gros c'est exactement ça, c'était un marchand itinérant. Sauf que là c'est la démo donc on pourra pas y avoir accès. Allez, bandit. Ah, ils sont pas contents. Ah non c'est rond. Rond, ramasse le galet encore de l'infini. Ah ouais, il y en a vraiment de partout. Un coffre. Laisse-moi prendre le coffre pour ramasser de la thune qui me sert à rien. Ah, ils ont mis tous les gobelins et tout. Le jeu est cool, hein, la DA. Regardez, elle est un peu en step shading. Le contour de mes persos est quand même noir. Des cheveux et tout machin. Mais c'est très propre. Franchement, j'aime bien. Allez, combat de boss, c'est ça. Sauver les habitants de l'île capturée. Courez tant que vous le pouvez, pauvre fou. Ah ouais, un combat de boss. Ça c'est cool qu'il y ait un boss dans la démo. Ça fait très dessin animé. Et à la fois très... c'est assez propre en vrai de vrai. Hein. Donc c'est là où il va falloir faire gaffe. Zbardi! Ouh! Oh là là! Soin! Soin! Oh putain, c'est bon. J'ai réussi à soigner tout le monde. J'ai pas de brise armure. Ah, il envoie son pourcentage de vie. Ça, c'est, ça fait plaisir. 95%. Attaque liée.
Et là, on va pouvoir faire un full burst de l'infini. Hop, on esquive, on esquive. Ouh, il est en train de faire carnage sur un de mes persos. Soin. C'est bon, on est guéri. Oh, oh, invincibilité, parce que j'ai réussi à faire une esquive critique, en gros. Je peux pas, je suis dans le real time. Et mode, il y a un mode qui monte là, j'ai très peur de ce qui va se passer. Ok, j'ai réussi à le briser. Un brise armure. Ok, il est en mode furie. Ok, j'ai capté, ça va. Certains boss peuvent recevoir de l'effet soif de sang qui rend les arts célestes inefficaces. Ah, réduit les dégâts qu'ils subissent. Heureusement, l'effet est temporaire. Ok, après, ils sont pas utilisés. Wow! Bon, ça, on a beaucoup de vie, je pense que c'est la démo, mais. Est-ce que je peux soigner les gens autour de moi? Oui, je peux, c'est bon, merci. Tant qu'il est en rouge et l'overdrive. Mais c'est super long! La barre d'overdrive, elle met longtemps à descendre! Oh! 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 Super. J'ai essayé de dodge, mais c'était un peu. Ça servait à rien. Là, on va être Arceleste, du coup, c'est pas Brex. Du coup, c'est bon! Oh non, raté. Si, c'est bon! Du coup, c'est efficace contre lui maintenant. On la break. Oh, par contre, on capte plus rien ce qui se passe. À l'écran, c'est un peu la folie, hein. Ouf. Incroyable. 2680, ok. Ah, je peux faire 3 roulades et après je peux plus. 1, 2, 3. Et là, je peux plus, ok. Hop. Après, la caméra est vraiment pas mal en soi, donc c'est cool. On capte bien ce qui se passe, ça reste assez loin, elle tourne bien. Waouh. La vie, on soigne. Ouf. Ok. Moi, je m'occupe du boss. Okay. Oh. Faut pas soigner. Mais je peux me soigner avec l'objet, genre comme ça. Ok, c'est ça. Les voix japonaises par contre sont cool. Hop là. Par contre, le lock est nul. Il doit y avoir un bouton pour délock que je ne connais pas. Okay. Ça se passe. Il est bientôt en nouveau en mode overdrive, là, le boss. Là, du coup, tout ira être ralenti. Du coup, je peux essayer vraiment de m'occuper de ces monstre nul qu'il y a autour là. Nul mais qui m'embête bien. Ok, parfait. Allez, c'est parti. On peut retourner sur le boss là. Ok. Ok. On va plier Arceleste. C'est bon. Et là, juste avant qu'il passe dans son mode, hein. Normalement ça devrait passer. Un peu 1%. Rafale élémentaire. Full burst. Voilà. 9%.
intéressant. Et là, voilà, là, il va rentrer en overdrive. Ouf, ouf. Ouf. Oh là là, il m'a break... break au shield. Bon, 4%, 3%. Attaque liée, il est mort. Très cool. Franchement, j'aime bien. On martèle beaucoup carré triangle. On va pas se le cacher. Mais je me dis que le gameplay doit vachement s'étoffer au fur et à mesure du jeu, une fois qu'on a plein d'autres techniques, plein de combos qu'on peut faire, etc. Mais c'est overcool. Overcool. Je sens le pouvoir d'une créature originale dans Tempera, bingo, machin. Le vrai combat commence. Comment ça, le vrai combat commence? Là, il y a un autre boss qui arrive. Vous allez obtenir récompense suivante, récompense du mode histoire démo. Les récompenses sont accessibles dans le jeu Grand Blue Fantasy Relink. Merci d'avoir joué à la démo. Bon, bah écoutez, bah, c'était cool, c'était rapide. Il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Du didacticiel, etc. Mais franchement, ouais, c'était court comme démo, mine de rien. Mais tranquille, au moins la vidéo n'a pas duré 100 ans. Et j'aime bien, je vais acheter le jeu. 1er février, on va acheter Grand Blue Fantasy Relink. Non, franchement, gameplay nerveux. Il y a quelques défauts, on va pas se cacher, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a 11 persos, on peut contrôler les 11 persos. Et il y en a qui ont plus ou moins de. Qui sont plus ou moins lents, ou qui font plus de magie, ou plus de trucs. Mais ouais, pour l'instant, écoutez, j'aime bien. On va voir ce que ça donnera au niveau du scénar. Là, je me suis pas spoil de scénar. Hein. J'ai fait croix et rond passé les combats. Mais là, quand il y a des combats de boss comme ça, là, oh là là, ça c'est overstylé. Et ça aussi, là. Et ça aussi, là, il faut péter la corne. Et là, là, on dirait du Shadow of Colossus, là. Non, en vrai, les combats de boss, sont, à mon avis, c'est... Il y a énormément de combats de boss, mais c'est le type de jeu qui... Parce que là, il n'y a pas 6 boss. Il nous montre les 6 boss, ce serait un peu dommage, quoi, je trouve. Mais le jeu est sympa, est joli. S'il y aura de l'exploration, si on peut bien optimiser son personnage, level up, etc. Ça peut être très très cool. Des phases en vaisseau. Se transforme en méga dragon. Là, on est un dragon et on se bat contre un autre truc. Franchement, tout ce qu'un JRPG, tout ce qu'on demande à un JRPG, hein. De l'excès. Des couleurs, écrans multicolores, des flashs, des personnages avec des cheveux bleus et des cheveux blancs. Et voilà, et on est dans le JRPG, typical JRPG. Voilà, franchement, s'il y a un perso avec des cheveux bleus, c'est bon, on est en plein dedans. Bon, bah écoutez, bah, c'était très cool. Merci à tous ceux qui ont regardé. La vidéo, obtenez le nom, mais moi je vais acheter la boîte. Il n'y a pas de démat. La boîte. La Day One Edition. Merci à tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce jeu. Qu'est-ce que... Voilà. Et c'était Narco. Et à la prochaine. Ciao les bisous.